Hey, salut à tous les gars, c'est Drop Dead Boy. Aujourd'hui, on se retrouve sur la map l'attaque de la chose radioactive pour vous montrer comment débloquer le premier crâne du Skull Hop. Donc, je vais vous montrer les 10 emplacements possibles où se trouvent les 5 crânes à retrouver sur la map. Donc, le premier crâne peut se trouver ici au studio télé de Elvira. Ensuite, le deuxième crâne peut se trouver au niveau du courant à côté de l'interrupteur, juste ici entre les deux fauteuils. Le troisième derrière la poubelle à côté du premier téléporteur au niveau du courant. Le quatrième crâne peut se trouver sous le bus au niveau du pont. Donc au-dessus du pont, il y a la chose radioactive où ça se passe l'étape finale. Le cinquième crâne peut se trouver à M. Manson à droite donc de Masto en hors map. Le sixième peut se trouver à côté de la chose radioactive dans l'eau sur le rocher au fond là-bas. Celui-là, il est un peu compliqué à voir si vous n'avez pas de sniper. Le septième peut se trouver donc en hors map toujours à côté du garage. Donc vous allez voir où je suis exactement. Derrière la poubelle là-bas. Il est un peu compliqué à voir aussi celui-là. Prenez un sniper, donc vous avez vu où je suis. Le huitième crâne peut se trouver sous l'étagère dans le market. Donc là, il ne va pas être affiché parce que je l'avais pas rec, mais il peut se trouver juste ici. Voilà. Le neuvième crâne peut se trouver derrière le magasin du vendeur Dog Dog, donc à côté de la tout passe-passe, ici. Et le dixième et dernier emplacement peut se trouver donc derrière le motel, donc quand vous êtes au niveau de la plage tout en haut. Donc voilà les gars, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye!